Bonjour, je vais vous montrer comment calculer un pourcentage par rapport à une valeur de départ et une valeur d'arrivée. Dans mon exemple, je veux calculer en pourcentage le nombre de victoires et le nombre de défaites par rapport au nombre total de matchs. Je vais vous décortiquer la cellule suivante. Mettez-vous dans une cellule vide, tapez le signe égal. Ouvrez une parenthèse. Pour le nombre de victoires, tapez la cellule comprenant la première valeur de victoire. Appuyez sur le signe diviser. Vous allez diviser le nombre de victoires par le nombre de matchs. Fermez la parenthèse. Multipliez ce nombre par 100 pour obtenir le nombre en pourcentage. Vous accédez à ce résultat. Ce résultat est sensiblement égal à celui-ci. Il vous suffit ensuite d'étendre la sélection en effectuant un clic à l'aide du bouton gauche de la souris pour voir apparaître le signe plus et l'étendre. Pour calculer le pourcentage de défaite, c'est très simple. Vous retournez ici avec le signe égal. Vous ouvrez une parenthèse. Vous prenez la première cellule réceptrice des défaites que vous divisez par le nombre de matchs. Vous clôturez la parenthèse. Et vous multipliez tout le total par 100. Vous appuyez sur la touche Entrée. Il vous suffit d'étendre la sélection pour connaître le résultat pour tous les autres joueurs et toutes les autres joueuses. Ainsi, vous avez le pourcentage de victoire et le pourcentage de défaite. La formation est terminée, c'est à vous.